Bon, Superman ne va pas tarder à venir. Ah, c'est Rocket là. Ils sont où les autres membres de la Ligue? Pourquoi ils sont pas là? Ils sont pas dispo. Bon, c'est pas grave. Ouais, venez, on doit s'occuper. On doit s'occuper de ça avant qu'il ne soit trop tard. Les soldats de Darkseid sont là, je dirais. C'est quoi ça? Les soldats Batman, que fais-tu ici? Je suis là pour t'empêcher. Bon, tu n'empêcheras rien du tout. Et sache que je ne suis pas tout seul. Comment ça? Regarde par toi-même, tu verras. Oh non, c'est satané si beau. Superman, il faut que tu le distrais. Il faut que tu distrais le ton support que va aller dans les boîtes mères. Ils sont comme. Ils sont comme. Prends-toi mon gaz. Oh. Attends, Cyborg, viens. Viens, on a... vite, tu dois en profiter le temps. Viens. Viens, Cyborg, le temps, je te protège. Et là. J'imagine que tu vas pas te rendre. Tu dois essayer de les séparer, mais c'est ultra dur. Ah. Laissez les boîtes mères tranquilles. Non. Tu vas pas la... tu vas pas le toucher. Détache-toi, Cyborg. Non. Non, non. Ah, allez, vas-y, Cyborg. Allez, Cyborg, maintenant. Déjà une minute de séparer. Non. Attention, ça, attention, ça commence à revenir. Ça commence à revenir. Batman, je crois qu'il a absorbé un peu de pouvoir de, des boîtes mères. Mince. C'est un peu plus dur que je croyais. Mais plus sûr que d'habitude. Superman, logiquement, tu peux le battre, je crois. Oui. Attention, attention, l'autre boîte mère commence à se refusionner, l'autre boîte mère que tu l'as dégagé. Allez-y, boîte mère. Allez-y. C'est bon. Oh. Dégage. Laisse-moi faire. Non. Oh. Attention, Darkseid va bientôt arriver. Attention, faites gaffe. Prends-toi ça. Oh, serviteur. Allez, vite, vite. Vite, vite, Super. Donnez-vous mon gaz. J'ai une idée. Super, viens. Viens là où je suis. Oh, Super. Viens là. Bon, là, tu peux séparer les deux en même temps. Tu dois séparer les deux en même temps. Maintenant. C'est bon. Hey. Ah. Pas tout seul, faut que je l'aide. Vas-y, vas-y, aide Cyborg. Je vais faire diversion. Cyborg, tu peux pas faire ça tout seul. Superman va t'aider. Hey. Hey. Sois tranquille. Hey, je parle avec ta hache, t'es tellement nul. Ah. 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 C'est bon, on a réussi. C'est bon, c'est bon, c'est séparé. Tu as, perdu. Tu as perdu. C'est terminé. Ils sont en train d'absorber leur énergie. Non. Vite. L'énergie. Il faut le battre. Énergie. Oh. What the fuck. Okay. Il absorbe un peu l'énergie déjà. Bon. C'est pas comme ça qu'on mourrait si facilement. Attendez. Est-ce que c'est mon bien ou je vois Darkseid un peu dans le portail? Maître, je vous ai tant attendu. Maintenant, ce sera la 341e planète. C'est normal que votre mère commence à faire des trucs n'importe des trucs chelous. Les boîtes mères font des trucs bizarres. Maintenant mes serviteurs, abattez-les. Superman, est-ce que c'est moi ou bien ou les boîtes mères comment ils vont se refusionner? Faut les séparer. C'est pas vrai. Putain, mais comment c'est possible? Il va revenir. Vas-y, on est prêt. Non. Ok. 1, 2, 3. C'est encore plus puissant que je croyais. On est pas en timing en fait. Allez. Écoute-moi. 3, 2, 1. C'est bon, on a réussi. C'est bon, le portail commence à se refermer.
Le portail commence à se refermer, c'est une bonne nouvelle. Et bipolaire, les deux. C'est bon. Putain, c'est monstrueux. C'est bon, le portail commence à se refermer. Cette voix, c'est quoi cette voix? Si tu refermes la monnaie, un de vous devra mourir. Sinon, le Batman se refermera. Superman, d'après ce que je comprends, si on referme les pots de mer, l'un d'entre nous doit mourir. Ok, mais ça sera moi. Comment ça? Ce non, moi. On a besoin. On a besoin de toi, Superman. Et toi aussi, Cyborg. Moi. On a besoin de vous deux. On a besoin de vous deux vivants. Donc, ce sera moi. Non, Superman, fais pas ça. Fais pas ça, Superman. Non, non. C'est bon. C'est bon. Le portail s'est refermé. Il y a le portail. Le portail est fermé. Cyborg. Je suis grièvement blessé. Cyborg. Bon, c'est pas que là je crois que tu commences à te régénérer, ça c'est bien. Attends, où est Superman? Superman! Viens, attends, je te porte. Oh. Superman! Je vous avais prévenu. Arrive-toi! Il arrive! Attends, Superman. Qui arrive? Dark. Non! Pas qu'on pourrait sa mort. Darkseid va bientôt arriver. On doit se préparer. On doit se préparer au combat. On va se faire fumer. On va se faire la vie. On doit partir. Sinon, j'ai pas dû laisser les boîtes mères. Cyborg. On va ramener les boîtes mères avec nous. On va mettre dans la tour de guet pour que les boîtes mères soient en sécurité. Il en manque une, hein. Attends, réexplique-moi une dernière fois comment il est mort. Si je résume, il a tenté de séparer les boîtes mères à ta place. Donc, il est mort désintégré. En quelque sorte. Ça aurait dû te... Il est où, Batman? La Batcave, je suppose. Plutôt non, juste derrière vous, mais bon. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas où on veut partir, quoi? Ça m'étonne pas. Toi, t'étais où? On avait besoin de toi et tu es même pas venu. J'étais en train de sauver mon peuple. D'accord. Bon, sinon, les boîtes mères sont en sécurité dans la tour de guet. La tour de guet ? C'est déjà une bonne chose, oui. Ok. C'est le seul lieu, c'est le seul endroit que ça peut être en sécurité. Faudrait peut-être les rendre à leur peuple. Un endroit n'est en sécurité par rapport mais pas, à Daxa. Mais pas ton peuple. Ton peuple était ici déjà fait attaquer. Parce que, je te rappelle, déjà de 1. Quand ton peuple protégeait la boîte mère, ça a pas trop marché. Hein. Il a quand même resté à prendre la boîte mère. Il a quand même resté à prendre la boîte mère et c'est toi que tu étais venu m'appeler en radio. Les Amazones, c'est pareil. Et c'est moi qui gardais la dernière boîte mère. Et t'as de détruire toute ta boîte cave. Et sinon, c'est normal qu'il y a. Ça aussi à Gotham, parce que moi je me doutais qu'il y avait ça. Il y en a partout. Ah, dans toute la ville. Ah, je vois. Il a sacrifié sa vie pour l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Superman avant de mourir, il voulait dire. On n'a pas très bien entendu, mais je crois savoir comprendre ce qu'il voulait dire. Je crois qu'il voulait dire que Darkseid va arriver. Quoi? Oui. Mais le portail a été refermé. Oui, certes, mais tu sais d'autres moyens. Tu sais, il peut ouvrir des portails par d'autres moyens. Et Cyborg, il peut ouvrir des portails.
va bientôt se préparer contre Darkseid. Faut prévenir toute la ligue. Pour ça. Oh, t'es pas sur moi. T'es obligé de te battre avec nous. Un jour à l'autre, tu. C'est le destin de toute l'humanité. Sinon. Et toi, il viendra à Atlantis. Tu veux vraiment que t'en. Alors pourquoi t'es dans la ligue si tu veux pas nous aider? Parce que combattre dans un endroit qui est hors de l'eau, c'est pas ma spécialité. Même si, ok, j'ai une force qui dépasse l'entendement. Je suis un homme poisson, je dois te le rappeler. Là, c'est mon domaine. D'accord. Donc le moment venu, je vous aiderai. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ça à vous de vous démerder. Je cherche pas, t'inquiète pas. Il va peut-être nous rejoindre un jour ou l'autre. On a besoin d'autres kryptoniens. Il y en a pas. Il y a juste Superman qu'on connaît. Ah si, attends. Mais si, on connaît quelqu'un. Supergirl. En effet. On prend Supergirl. Ouais, je suis revenu. T'étais là depuis le début ? Ça mange, c'est juste là-bas derrière. Je peux la contacter. Oui, comment ? Ça, c'est pas ton problème. Ah, je vois. J'ai déjà contacté par le passé pour lui dire qu'il y avait l'attaque. C'est où il y avait aucun super-héros. Et que j'étais le seul, alors que c'était pas mon domaine. J'ai dû l'appeler. Mmh. Elle est pas venue. Ah ouais. Tu pourras la contacter pour nous. Mais elle viendra, que pas. Un petit coup de trident dans sa gueule et c'est bon, elle viendra. Coman, t'es sûr que ça va bien? C'est peut-être pas la meilleure approche pour la faire venir, je t'avoue. Mais bon, je verrai ce que je pourrais pour faire venir. D'accord. Mais attendez. Et Cyborg, c'est une nouvelle armure ? Oui. Attendez une minute. Je me rends compte d'un truc. Lors du point zéro, Brannac, il avait fait exploser son vaisseau quand le point zéro avait aspiré son vaisseau. Son vaisseau a carrément explosé. Mais ma question, il pose. Est-ce que Brannac est sorti du vaisseau avant que le point zéro aspire son vaisseau ? Parce que si c'est le cas, alors où est Brainiac ? Parce que c'est plus important. Brainiac, c'est rien par rapport à Darkseid. Ouais, mais peut-être. Si Darkseid et Brainiac s'allient tous les deux, là, c'est la merde. Je pense pas qu'ils m'ont montré. Avec l'autre con qui est tanné. Attendez, peut-être que Brainiac peut nous aider. Il nous a quand même aidé pour le point zéro. Il pourra peut-être encore nous aider contre Darkseid. Son but, c'est de conquérir. Pas d'aider. Il sait pourquoi pas on le ment. On va le mentir en disant que on te donne une planète, mais en vrai que c'est pas une planète. Tu penses que c'est ton papy de 93 Apocalypse. Ans ou c'est Brainiac? J'ai une idée. Ça a peut-être marché. On peut lui promettre Apocalypse. Ça c'est la planète de Darkseid. Ça c'est une bonne idée. Je pense qu'il la connaît en fait. Oui, mais il peut pas, c'est il peut pas l'attaquer. Passé, est-ce que je sache. Il peut pas l'attaquer seul. Darkseid a déjà menacé Brainiac. Oui, et Brainiac n'a aucune chance. Si vous avez des pistes au sujet de Anti-Monitor, il va bientôt arriver, mais on sait pas quand. Il a combien de kilomètres de l'univers? Cyborg, tu peux nous le dire? Attends, j'arrive pas. Quoi? Comme ça t'arrives pas? Oui. Ça marche. Alors, plus, j'arrive pas. C'est bizarre. Comment ça t'arrives pas? C'était peut-être quand il était endommagé là-bas, c'était pour ça. Il y a quelque chose qui brouille. Mais tu vas marcher, machine de merde! Marche! Oh. Je frappe pas. Tu l'aurais voulu! Non, arrêtez de vous combattre. Arrêtez de te faire du mal. Attendez,
Ne vous combattez pas. J'ai juste un peu tapé sur ton armure, hein. Si t'as eu mal, c'est pas de ma faute. Attendez une seconde. Attendez, j'ai un appel. Oui, oui, pourquoi Alfred. Pourquoi il a canné, putain. Ouais, attendez une seconde, vite fait. Oui, allo, Alfred, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est urgent? La Batcave se fait attaquer. Quoi? Cyborg. Quoi? Est-ce que t'aimes bien l'eau? Pourquoi? Ok, merci. Vite, il faut partir. Il faut partir maintenant. Waterproof. Il faut partir quoi maintenant. Il y a une bombe ici. Ici, il y a une bombe. Pardon? Quoi? Il y a une bombe. Vite, partez. Attention, ça va exploser. Je vois que ça a explosé. Wow. Bon, je crois que l'enterrement de Superman est un peu cassé. Quelqu'un l'a piégé. Mais qui? Ça doit être un de tes copains. Joker. Ça peut être n'importe qui. Mais lui, surtout, ça m'étonne pas. Ça peut être aussi la cour des hiboux. Pourquoi je dis ça? La dernière fois, ils ont fait exploser l'asile. Ah, putain. Ça peut être soit la cour des hiboux, soit des Jokers. Bon, sinon il commence à faire jour. Ça va, Aquaman. À peine, je viens de me prendre 3 explosions dans la gueule. Tu dois te reposer. T'inquiète pas. Tu sais t'occuper de lui. T'inquiète, ça va aller. Il a besoin d'eau. Vas-y, va dans l'eau. Bon. Moi, j'y vais dans la basket. Qu'est-ce que ça fait les mains? Toi, on dirait que ça va mieux. Toi, si tu veux, fais ce que tu veux, rester avec lui ou faire un autre truc. Moi, je vais aller dans la basket. Je vais voir qui a explosé. Attends, t'as bu combien de verres aujourd'hui? Je pense. Regardez qui a fait exploser. Trois. Ce mot encore. À la mémoire de Superman.